manier! Bienvenue dans Unboxing with Nishi. Jodi, avant de commencer mon unboxing, laisse-moi raconter un peu qui n'arrive moi lundi. Au fait, lundi, je me tiens dans plusieurs réunions dans le Nord et arrive là, je commence fin. Finalement, place qui me pensait pour aller, je vais la croiser. Correct? Tu as le droit d'un petit manger. Et tout le temps, je vais une manie qui me bizarre passe devant le magasin Pimki. Correct? Je passe devant. Finalement, je trouve une de nouvelle collection. Je me dis, laisse-moi rentrer. Et bien sûr, quand il finit, Mamzelle Nishi, il retrouve avec un gros sac shopping qui me fait à côté de Pimki. Et un extra joli item, une soirée plusieurs affaires depuis une nouvelle collection. Et aujourd'hui, je fais un unboxing pour vous montrer ce qui m'a acheté. Nous check ça ensemble avec Nishi. T'es préparé, hein? Et vous préparez moi, comment c'est toujours? Ready? Go! Allez! Premier affaire qui m'a trouvé dès qu'il me rentre dans le magasin, je passe de côté gauche comme ça. Je lis, j'ai une botte là, ça, jolie paire de bottes là, qu'est-ce que ça? Ok, dès qu'il me trouve ça, je me dis, non, absolument bizarre ça. Il y en a l'effet là pour crocodile. Ça fait la canon! Qu'est-ce ça? Allez, ensemble avec ça, je me rends une jolie robe. Je vous montre une autre robe là. C'est une jolie robe jean, moi j'avais trouvé couleur noire. Ici il y a ce ceinture là. Et comme on dit ça, mais j'avais mon capable sans ceinture là, mon accessoiriser avec un autre ceinture encore. Donc ah là, ça c'est robe jean là. Trop joli avec sa botte là en plus. Pas fini. Pour encore ajouter un accessoire dessus, me prend sa jolie écharpe là. Très léger, féminin. En plus avec ce même motif là, il y a ce café qui se coulait dans le cœur. Botte marron, jupe jean noir avec sa écharpe là. Je vous montre les autres comment elle vient. Nishi! Hey! Voilà! The full look! Qu'est-ce que tu dis? Extra joli, non? Alors, moi, je garde la ceinture qui est dans le robe là. Mais je suis capable sans y, selon ce goût, je suis capable de mettre une ceinture marron. Là, tu fais mal là. Et bien sûr, l'écharpe qui moi, je me suis comment dire? Headscarf! Nice, non? Nice! Et encore, un autre accessoire qui me pensait, me capable de mettre sa robe là. Vu qu'il y avait fait rentrer là, je me décide de prendre une écharpe un peu plus épais. Voilà. C'est extra doux. Je me dis, laisse-moi essayer ça dans sa robe jean là pour l'hiver. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes trop doux! Un joli look pour l'hiver! And body! Si vous êtes content outfit là, donne-moi cette review dans les commentaires! Allez, next maintenant, je vous montre mon outfit coup de cœur. Comme on essaye ça, tout le monde sait ce gueule là-bas, il dit waouh! Allez, je vous montre ça! C'est un look chic, mais à la fois, et une petite touche original. Allez, premier item, c'est une jolie jupe imprimée zèbre qui m'a extra content, mais je fais rôde ça depuis l'époque. Je trouve ça beaucoup fois dans télévision, voilà, Christine met ça, et extra joli. Donc voilà, je trouve ça côté Pimki. Ici, il y a un petit pendu très joli. Et comment pour mettre ça? Je vous montre les autres qui ont me choisir. Allez. Ok, je vais choisir. C'est sa petite touche originale qui m'a fait déjà là. C'est sa couleur orange là, qui beaucoup de monde pour hésiter avant de te mettre ça, mais ça m'amène extra content lui, surtout avec ce man bretelle là, il y a taché un petit nœud, et je t'avais même mettre avec un petit jean, avec une petite chaussure blanche, voilà, je vais mettre ça, ici il y a un petit dentelle, un petit design, c'est pas dentelle, c'est un petit design, voilà, je vais mettre ça avec jupe là, ensuite, pas fini, je me prends un blazer qui va vous mettre dessus. Il amène un petit côté formel mais à la fois tendance. Et comment je peux trouver ça blazer là? Il est plus léger, il est confortable. Donc quand je me mets, il est pas trop carré, ça n'a rien, il peut smooth, il peut tomber bien dans cette silhouette. Ah là. Ça, l'eau, ça outfit là, et pas fini dans les pieds qui vous mettez. Je vous montre les autres qui me choisissent. C'est un magnifique paire de chaussures. Get ça vous êtes. En plus avec ce man straps là, du coup je t'en suppose, je vais pas gagner 10 mal quand je vous mosse les poutines, je te lipais bien. Et les talons ici. Allez,
bon montrer ce taster outfit là au complet comment les vini. Nishi, à toi. Voilà mon look coup de cœur. Comment se trouver ça orange là, il arrange look là net. En plus il y a extra bien avec mon jupe motif zèbre. Le blazer, très chic mais en même temps décontracté, donc vous êtes capable casual et aussi chic en même temps. Il n'est pas trop formel, donc il n'est pas pour vous donner une silhouette trop carré, réfrigérateur, façon de parler. Et ensuite, les chaussures à talons, moi je vais trouver très féminin, tendance. Et voilà, mon look coup de cœur. Astéra m'a montré le troisième outfit très tendance et casual qui me choisit. Mon lisier, il ne bat pas tout, mais surtout. L'eau, ça joli sac à dos beige matelassé là que moi j'ai trouvé là. Il contient une doudoune. Moi même photo une doudoune ici de ce côté qui vous vient dire. Voilà, vous pouvez aller. Là il y en a ce nœud. Et il y en a. Alors là, je suis capable de mettre beaucoup d'affaires à l'intérieur. Il y en a extra beaucoup d'espace. Il y en a même une poche là. Et dans ce fermeture éclair, je suis capable de mettre des affaires personnelles comme ça. I don't know. C'est très secure. Ici, il y a deux poches. Je suis capable de mettre ça facile. Comme ça, je suis capable de prendre. Et moi, je vais choisir ce sac-là parce qu'il y a pas mal de voyages qui peuvent venir là. Et je vais ce sac-là extrêmement handy. Allez, ensemble avec ce sac-là, je vais montrer ce qui est un item que je vais choisir. Je suis extra content ça. Mom jeans là. C'est un paire de mom jeans qui m'en extra content. Qui fait hein? À cause des deux couleurs différentes, voilà. Ici, il y a un bleu pâle et ici, c'est plus foncé. Il donne un look un peu original, mais extra content ça. Et mom jeans, les high-waisted et les anti-guide pillows. Moi, habituellement, je mets des jeans un peu plus skinny. Mais là, j'allais essayer ça, on a envie d'essayer. Allez, prochain maintenant pour avec, voilà avec sa jeans là. Je vais prendre un petit débordeur simple. Couleur beige, parce qu'il veut sa couleur beige. Voilà. Ça, comme moi, il est extrêmement léger, très confortable, c'est en coton. Et du coup, vous allez mettre ça, ça passe pas tout. Ensuite, pas fini, je vous montre ce qui me prend. C'est sa jacket jean, là, qui est très originale. D'habitude, ben jacket jeans qui m'a, il y en a un bouton, c'est-à-dire il est attaché devant avec un bouton. Mais ça, là, il y en a ce fermeture éclair, métallique, comme vous avez trouvé là, très tendance. En plus avec sa bleu là, il y a un bleu un peu à poil, foncé, sur la coupe très nice, il y en a ce poche ici et encore une poche là qui parle extra bien avec sa bande item que je vous montre. Maintenant, les chaussures, je vous montre. Oup. Hey hey! Encore deuxième. Get ça pour Azoli. Ça c'est un extra content ça, il paraît extra confortable. D'ailleurs, j'ai essayé là-bas, il est très confortable. Là, ce petit motif léopard, je suis addicté dans ça. Léopard, on va compter combien d'items léopard on a dans la case. Et je suis absolument bizarre sa bonne chaussure. Voilà, c'est très tendance dans place d'un sneakers blanc classique. Mais déjà, ça là, il ajoute une touche originale et très funky. Et pas fini, maintenant pour accessoiriser sa look là, je vous montre les autres. Ça peut tomber. Je vous montre les autres. L'on veut la tête, mais je décide pour me prendre sa headband là, rouge. Parce que les vêtements ici, léopard, un petit couleur beige, c'est assez lit pâle. Donc, je vais prendre ça rouge là, pour mettre l'on veut la tête, il y a un peu plus de couleur. Voilà. Ensuite, bien sûr, maintenant là-bas, je trouve chaussettes, je vais profiter pour prendre. Voilà, les chaussettes blanches qui pour aller avec mes chaussures. Maintenant, me montrer les autres items là. Adore ça style là, c'est definitely me. Jacket, débardeur, jean, très casual, headband et les chaussures que j'adore. Que ça veut dire? Ayla, ça aussi c'est un de mes bandes préférées de Pinky. Donc si vous avez entendu ça, que ça vous allez, que Pinky. Avant de terminer, est-ce que vous validez mon choix? Donne-moi ce feedback dans les commentaires. Voilà tout le monde, c'était mon shopping que je vais faire chez Pimki qui se trouve à Granby-la-Croisette. Donc si anytime je fais la croisette, make sure qu'ils ne paient pas ce que de Pimki. Surtout profitez en ce moment parce qu'ils étaient dans une nouvelle collection. Donc il y a un joli item, un joli vêtement, accessoires, chaussures, ça t'est trouvé. I am obsessed. Allez, à
avant de terminer, moi, dans une dernière nouvelle, je check mon Instagram, mon lance un giveaway, que je suis capable de remporter un voucher de 2500 roupies chez Pinky. Comme ça, je suis capable de faire ce plaisir, cette affaire de shopping chez Pinky. Allez, me donnez un rendez-vous dans le prochain Unboxing with Nishi. Allez, bisous, prends soin, bye bye.